Bonjour tout le monde, c'est Reggie et bienvenue dans l'épisode 34 de Twilight Princess HD. Et aujourd'hui, on revient dire bonjour à notre ami qui veut pas nous dire bonjour. Non, il réagit pas. Tant qu'on essaye pas de passer la porte. Alors je suis désolé, si je me souviens bien, je vous avais crité un petit peu d'un seul coup. Et c'est vrai que la partie commençait à devenir longue et quand je suis bloqué, je suis bloqué. Alors là, aujourd'hui, on prend notre revanche, en espérant que ce soit un peu mieux. Je ne vous promets rien, malheureusement. Allez, allez, sois gentil, laisse-nous te battre. Hop. Je sais pas si... Voilà, normalement, je peux faire des petits trucs sympas, s'il ne me frappe pas. Là, là, allez, on y gaffe. Ah, décidément. Si je me protège... Ouh, j'arrive même pas à me protéger, quoi. Attendez. Alors, il y avait la technique du... On va prendre le grappin. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Je peux pas passer. Tu veux pas lancer... Ah, voilà. Ton boulet, j'allais dire. Mais, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Allez, allez, allez. Décidément, à viser, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. De toute façon, j'ai tellement horreur des boss avec les boulets. Ouh, j'ai réussi à faire un truc, là. Allez. Yes. Ah bah, c'était beaucoup plus court que la dernière fois, là, c'est sûr. Ah, je suis content. Merci. Ah, et tu nous le donnes maintenant? Parce que je me posais la question, justement... Est-ce que tu nous le donnes maintenant, pour une fois d'ailleurs qu'une arme ne s'en va pas avec l'ennemi? Ça me semblait beaucoup trop tôt dans dans le jeu, mais... Soit. Comment il a rapetissé d'un coup. Vous obtenez le boulet. Assignez-le à YX ou R, ok. Le boulet. Et ça, franchement, c'est une arme tellement cool. Par contre, alors, comment ça marche? Faut maintenir appuyé comme d'habitude. Voilà. Là, je peux à peu près viser. Et lancer. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais je me souvenais tellement pas qu'on le recevait aussitôt. Ça me paraît bizarre. Écoutez, moi, si vous voulez me le donner, y a pas de souci. J'aime beaucoup, beaucoup cette arme. Ouais, un petit peu de rubis, puisqu'on avait plus d'argent. C'est vrai qu'on était quand même venu de base récupérer quelque chose. Ça va, c'est pas si dur à viser. Je sais pas pourquoi j'avais le souvenir que c'était une horreur, mais en fait non. J'ai envie de voir s'il y a un truc là. Mince. C'était le bouclier que je voulais essayer de viser. Il semblait cacher un truc. Non. C'est moi qui me fais des films du coup. C'est dommage, c'est une arme tellement badass, mais qui nous rend tellement lourd. Même si j'ai l'impression que d'une certaine manière, on est moins lourd qu'avec les bottes de plomb. Ouah, le fromage toilien. Il a été fait avec le lait des chèvres de toile. Oh, encore quelque chose de ma région. Quoi? Encore à manger? À l'entendre parler tout à l'heure, je me doutais que c'était pas vraiment la clé, mais quand même. Tant pis, il faut y retourner et lui redemander, on n'a pas le choix. De toute façon, maintenant on a une super arme du donjon. Le super boulet. C'est tellement classe. J'aime bien parce que bon, il y a quand même des armes... bon, elles sont pas non plus toutes originales, faut pas abuser, ça reste quand même du très classique. Si je regarde lance-pierre, arc, grappin, mais les rouages, le boulet, et d'ailleurs je sais pas... ah si, il va y avoir encore une arme originale, mais on y reviendra en temps et en heure. Juste que je me fasse pas avoir par les bêtes régionales, les petits loups blancs. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire pour ta défense, cette fois? Ah, Reggie, qu'en est-il? Comment? Du fromage? Oh non, est-ce que mon mari aurait changé la clé de place? Mais enfin, où ai-je bien pu laisser cette clé? Je suis navré, je ne trouve pas. Allez porter le fromage à mon mari. Pendant ce temps, je vais réfléchir à la question. Ah là là. Comment t'essayes juste de nous la mettre à l'envers pour qu'on te prépare une soupe?
Sauf que, d'ailleurs, je vais... Il manque quelque chose. Snuff, ça sent bon, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, mais c'est parfait. C'est bien, je suis resté quand même sur les caisses. Je n'ai plus qu'à laisser mijoter maintenant. Tiens, goûte-moi ça. Tiens. Avec plaisir. Pour m'en mettre un petit peu de cœur. Parce que pour m'en mettre de la vie en début de partie, j'ai triché, j'ai pris... Oh, 8 cœurs quand même. J'ai pris une gelée violette. Comme je me souvenais pas justement des effets de la gelée violette. Il me semble que c'est aléatoire. Mais je sais plus si elles peuvent nous tuer ou pas. J'aurais bien voulu essayer. Mais là, pour le coup, j'ai de la chance parce qu'elle m'a remis toute ma vie. Comme une gelée inouïe. C'est bon, tu te souviens maintenant? Ah, Reggie, ça y est, je m'en souviens. Je l'ai laissé dans une pièce tout près de la chambre pour ne pas oublier où je l'ai mise. Bah, ça n'a pas marché. Finalement, je l'ai quand même oublié. J'ai vraiment honte. J'ai mis un symbole sur la carte. Ah, ça semble déjà être mieux. Oh, on a déjà fait la moitié du donjon, en fait. Sans m'en rendre compte spécialement. La clé est forcément dans cette pièce. Allez-y, je vous prie. Elle nous indique quand même le chemin. Je sais pas. J'ai récupéré quoi d'ailleurs en objet? J'ai récupéré que la carte, même pas la boussole. Bon, je pense qu'on va la récupérer bien vite. Mais encore une fois, le boulet, ça m'étonne qu'on le récupère aussi vite. Et on va devoir en amener un autre. Ah, j'aime tellement pas ce monstre. Vite, vite! Ah mince. Je peux faire des... J'aime bien quand il me montre comment je peux le battre, mais... C'est ce que j'allais faire avant que vous m'arrêtiez. Par contre, je sais pas si tu viens jusqu'ici. Allez, viens. Encore? Ouais. Il y a des petits amis à toi encore, ici. Je sais pas si ça sert à quelque chose de vous battre, d'ailleurs, à part juste m'amuser. Vous faire du mal, c'est triste. Je sais pas si je peux même rentrer à l'intérieur. Non. Non. Pas possible pour moi de rentrer. Ah, c'est dommage, j'avais un super rubis. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher un boulet dehors. On va juste pas sauter les étapes. Ah bah tiens, il y en avait un deuxième en plus. Ouh, il m'a l'air un peu plus complexe. Un peu plus tendu que son frère. J'aime tellement pas ces monstres. Il y a beaucoup de monstres que j'aime pas, hein. Après vous me direz, mais lui, il est pas mal dans son genre. Par contre, si je les vise pas, je vais avoir du mal. Je crois que c'est tout. C'est vrai qu'encore une fois, je m'amuse à leur faire du mal alors qu'ils m'ont... Ouh, qu'ils m'ont rien fait. Pas encore. C'est en prévision. Oh! Ah. Est-ce que c'est... Ouh, ça me semble... Ça me semble bizarre, mais est-ce que c'est pas par là-bas que je dois jeter quelque chose, par hasard? Bah, c'est pas dehors, déjà. Ça me semblerait logique. Là, pareil, il y a deux portes. Celle-là qui s'approche un petit peu du coffre qu'on devait récupérer. Mais il n'y a pas de porte. Ah, il y a un coffre. La boussole! J'ai pas pris le bon, par contre. Vite! Tant pis. Oh! Arrêtez! Quand ça devient tellement cheaté avec ce boulet. Alors, me semble-t-il qu'il faut te viser maintenant. Ouais. On s'accroche. Semble être la boussole. Ah non, une clé. Par contre, je sais pas si... Oh. Je fais vraiment la méthode facile en les tuant tous avec le boulet. Alors, je sais pas, j'ai vu une accroche pour le grappin, mais ça m'étonnerait quand même que j'arrive à l'avoir d'ici. On va essayer. Puis, allez. Alors, il y a des trucs au grappin, je suis juste à côté, j'arrive pas à les avoir, mais celui-là me semblait super loin.
Ah, c'est pas grave, logique du jeu, on t'en veut pas. Repose en paix. J'ai l'impression que c'est fait exprès pour qu'on tombe et en même temps. On dirait qu'on peut tomber, hein. Je peux utiliser le boulet. De toute manière, il me semble que le boulet remplace à beaucoup d'endroits. Oh! Oh! Un tampon Miiverse. Ah! C'est là où on avait vu le coffre. Ah non, un fragment de cœur, carrément. Oh, ça, c'est cool. C'est cool. Et à mon avis, on peut pas remonter avec le boulet. Mais on peut monter avec le grappin. Et oui, comme au cas où si j'ai pas fini ma phrase, le boulet remplace à beaucoup d'endroits. En fait, je crois qu'il peut remplacer les bombes. À part sous l'eau, me semble-t-il qu'on peut pas l'utiliser sous l'eau, le boulet, c'est dommage. Mais à beaucoup d'endroits. Ah, c'est important de le casser pour pouvoir faire un raccourci. Mais ça m'étonne du coup, pourquoi. Ça semble normal, non? Ça semble normal. Allez. D'ailleurs, en parlant de raccourcis et tout ça, il me semble qu'il y a un glitch pour pouvoir monter directement au deuxième étage avec Linkelou. Où en gros, Linkelou s'amuse à viser les chauves-souris d'en haut. Après, je ne le connais pas plus que ça. À voir si je pourrais vous en faire une présentation. J'ai vraiment sauté à l'aveugle, par contre, pour le coup. C'est pas toi que je voulais viser, mais. Écoute, si ça a marché, tant mieux. Par contre, je fais vraiment des bêtises. Non. Non! Tant pis. Ça me semblait. J'ai dit non, hein, pourtant, mais j'ai voulu essayer quand même. Il y a des moments comme ça où on sait qu'on va louper, mais tant qu'on s'est pas vu louper, on veut essayer quand même. Genre, en fait, ça va être moi le plus gros boulet de cette aventure. Ouais, là, on l'a, et très vite, faut réveiller l'autre. Voilà, pour pouvoir sauter dessus. Ah, mais même là, on est en contre. Oui! Pourtant, là, j'ai même pas pris d'élan, j'ai même pas fait de roulade. Ah, attention! Attention, Link! Fais pas voir par la chauve-souris, ce serait dommage, on est à deux doigts. Ouais, un fragment de cœur. Bon, là, j'étais presque sûr que c'était un fragment de cœur. Bon, allez, on va reprendre le chemin normal. Il me semble que oui, en faisant en fait son cercle d'ombre, Link arrive à sauter jusqu'en haut. Puisque, en fait, quand il fait son cercle d'ombre, il saute directement là, enfin jusqu'à l'ennemi. Donc me semble-t-il qu'il arrive à. Par contre, je sais pas si moi je vais pouvoir bouger. Ah, si, ça marche aussi comme ça. Ah, j'aurais peut-être pu me donner de l'élan en fait avec la plateforme du milieu. Je pensais qu'on pouvait vraiment juste pousser les plateformes. Mais apparemment, non. Ouh. Pas très à l'aise avec les endroits glissants. Vite, ramène! Ouh. Cette défense. Ah. Il me semble qu'aussi, à moindre mesure, le boulet peut servir de bouclier. Après, ça m'a l'air quand même un peu plus compromis. Là, quand il le tient dans la main, là, apparemment, ça peut lui servir de bouclier. Après, je vous cacherai pas qu'il y a quand même. Enfin, le bouclier normal est quand même plus utile qu'un bouclier à porter comme ça avec. Ouh! Une âme! Vite! Hop! Excusez-moi. J'avais pas le gamepad sous la main. Donc j'avais pas mon super bouton tactile pour pouvoir me transformer en loup. Allez, dis bonjour à Linkelou. Allez, viens. Ouais. Ah, directement. Ah bah oui, toi t'es faible. Malheureusement, comparé à tes amis spectres. Ah, c'est la. C'est la mince. La chauve-souris, je pensais que c'était un autre spectre. Et comparé à tes amis spectres du dernier donjon, c'est sûr que tu es bien faible, malheureusement. C'est bien, on s'en sort pas mal, là. Je sais pas trop où on en est, par contre, dans le donjon, et pas l'ombre d'une boussole, comme d'habitude. Quoi qu'il y a quand même plein de salles, encore, qu'on n'a pas,
pas spécialement fait. Tout le rez-de-chaussée a été fait. Même s'il me semble que, bah justement, dans cette salle, on va peut-être devoir redescendre, non? Celle-là où on avait... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bien ce qui me semblait qu'on allait devoir redescendre ici. Non, on peut pas grimper. Est-ce que ce serait pas justement pour une clé? On va aller voir ça. Oh! Je sais pas si le... Ouais, prends la porte. Je sais pas si le cube est à casser ou pas. Alors. C'est le moment où on va devoir faire preuve de logique. Je suis totalement paumé, hein, pourtant. Je sais pas du tout ce que je vais devoir faire. À moins que je dois vraiment le pousser, celui-là. Ah, d'accord. Ah, c'est un cube, mais gelé. Ça m'indique pas plus ce que je dois faire, mais on va essayer de voir ça. Si je le pousse comme ça... Je vais être bloqué, à mon avis. Que lui, je le pousse comme ça. Ah non, dans tous les cas, je vais être bloqué. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pourtant, encore une fois, j'aime énormément les énigmes. Je crois que je vais être bloqué parce qu'on peut que les pousser, on peut pas les tirer. Non, on peut pas les tirer, on peut que les pousser. C'est dommage, encore une fois, je partais avec un super plan. Oh, je suis un imbécile. Purée. En plus, c'était tout simple. Purée. Mais oui, mais... J'ai pas pensé... En plus, je suis sûr d'avoir fait ça au début et j'ai même pas pensé. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile alors que la réponse était juste là. Et on a réussi. Oui. Je sais plus où c'est ouvert un truc. Ça a ouvert un truc en haut. Mais bon, ça fait super longtemps, plus que je suis dessus, ça fait bah, un quart d'heure. Un quart d'heure de ma montre. Non, pas un quart d'heure, 10 minutes, autant pour moi. C'est déjà pas mal, 10 minutes. Purée. On allait par là-bas ou pas du tout? De manière, je pense pas qu'on puisse passer par là-bas, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, si on continue un petit peu le jeu, parce que là, ça m'a un petit peu endormi. D'ailleurs, en parlant... Oh, j'aime pas quand la caméra, elle fait ça. Elle fait souvent ça, en plus. Hein. Problème. Oh. Parce que je suis trop près d'un mur. Merci d'avoir... Non. Pff, heureusement qu'il y a le retour du boulet, parce que là, j'étais bon pour tout recommencer. L'énigme aussi. Par contre, je me demande bien pourquoi je suis venu ici, parce que je vois clairement pas l'intérêt. Peut-être parce que je suis obligé de tomber. On est venu de ce côté-là. Non, on est déjà venu de ce côté-là. Ah, décidément. On est déjà venu de ce côté-là et apparemment on serait déjà monté à l'étage. De ce que je vois. Je suis un petit peu perdu. Je suis un petit peu beaucoup perdu.
J'ai bien envie de descendre en même temps, ça m'a l'air d'être tellement une mauvaise idée. Je pense pas que je puisse monter. Ah ah ah! Grossière erreur, je ne pense pas pouvoir monter, mais si! Grâce au grappin! Ah non, je sais pas alors. Ah, c'est parce que c'est dans la même phase qu'il nous avait indiqué qu'on était déjà monté. Je ne sais plus à force, je me perds. C'est bien, ils mettent des petits raccourcis pour... au cas où si je tombe. Non! Chose qui pourrait arriver bien vite. Non. Je pensais que je pouvais le porter, je sais pas. Ah, peut-être un coup de boulet par contre. C'est pas faux. Mais là, j'avoue être un petit peu perplexe. Il y a un coffre là-bas, peut-être? Link qui a fait un petit... Ah, il y a un petit coffre là-bas. Ça m'étonnerait que ce soit important, mais au cas où. Parce que j'ai pas fait une énigme juste pour un petit coffre, hein, rassurez-moi. Ça me semblerait bizarre. Ah non, on a quand même une petite clé. Pente. Ça a l'air bien bizarre, là. J'ai l'impression que c'est un bah, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est le spoil d'un prochain donjon. J'avais jamais remarqué cette image. Oh, d'ailleurs, en parlant d'image, il y a Lutera. Juste ici. Et là-bas, c'est qui? Désolé pour vos pauvres yeux. Je sais pas, on va dire le roi d'Hyrule, parce que je ne vois pas qui c'est. Ça me dit rien. C'est trop classe, cette salle. Il y a un truc aussi tout au fond, je suis désolé, hein, je fais attention aux petits détails juste après. Non. Rien de bien folichon. Bon, c'était pour une petite clé, mais j'ai pas le souvenir, quoique... Si, d'avoir vu une porte à clé. C'est pour revenir à la pièce principale. Est-ce qu'ils mettent sur la carte les portes à clé? Non. Non, ça aurait été trop simple. Je ne sais plus où j'ai vu une porte à clé. Eh bien, Ah! Et si, je sais où j'ai vu une porte à clé. Eh bien, on verra ça dans le prochain épisode. Parce que je sais pas du tout où j'en serai avec... ou plutôt où j'en suis avec l'énigme du... l'énigme du bloc, enfin des blocs qui m'a pris un petit peu la tête. J'aime pas les énigmes longues pour pas grand chose, alors qu'en fait c'était évident, en plus j'avais la bonne réponse dès le début. Je cherchais trop loin. Enfin je crois, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, encore une fois, un petit peu comme les... comme les spectres où j'étais convaincu d'en avoir battu 4, alors qu'en fait non, j'en ai vu que 3 depuis le début du donjon, mais... Ah! Mais j'étais persuadé d'en avoir battu... d'avoir battu 4. Ça arrive. En tout cas, merci d'avoir vu cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.